Alors pourquoi une approche dite 3D maintenant à l'égard du Mali? 3D, c'est-à-dire D comme diplomatie politique plutôt, développement et défense et sécurité. Parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait une approche globale pour régler de manière viable et durable les défis qui sont ici au Mali. L'opération Barkhane est une opération qui agit sur 5 pays. Alors en partant de l'Est, c'est le Tchad, c'est là où est stationné l'état-major de la force Barkhane. Et ensuite, on va trouver le Niger, le Burkina Faso, le Mali, bien évidemment, la Mauritanie. Et donc, quelle est la mission de cette force sur ces 5 pays? Il s'agit pour nous d'agir contre les groupes terroristes pour les amener à un niveau de faiblesse suffisant pour qu'ils puissent être traités par les armées de la région. Les cinq armées des cinq pays. C'est Barkhane, mais pas seulement. C'est aussi la coopération structurelle que nous avons, pas simplement depuis 2012, mais avant, c'est-à-dire principalement de la formation des forces armées et des forces de sécurité maliennes, de la formation bilatérale, d'être au niveau très pointu, de manière à ce que ces forces soient en mesure d'assurer la défense du territoire et puis, là encore le plus important, j'allais dire, ou tout aussi important, on le voit bien dans le centre, c'est tout l'enjeu, assurer la protection des populations civiles. Nos interactions avec l'ambassade sont naturelles et s'inscrivent dans la synergie dans le cadre de la mission 3D qui rassemble bien les acteurs de développement, les acteurs de la chancellerie, le SCAC, mission de stabilisation et la force Barkhane. Dans le cadre de cette équipe France, équipe 3D qui prend pied à l'ambassade, nous sommes en fait les relais sur le terrain, nos équipes. Le détachement Barkhane occupe le terrain. Dans ce cadre-là, aider à identifier des acteurs en mesure de conduire les projets qui sont initiés dans le cadre de cette réunion. C'est une de mes missions, c'est maintenir les relations entre Barkhane et l'ambassade de France au Mali pour avoir une cohérence entre le discours et l'action de Barkhane d'un côté et la démarche politique menée par l'ambassade de France. Alors, première partenaire du Mali, la France a su mobiliser dès les premières heures de la dégradation de la situation au Mali il y a quelques années, l'ensemble des instruments de sa politique étrangère, mais également la mobilisation de tous ses outils diplomatiques pour entraîner à sa suite un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de partenaires européens, onusiens, en appui à la stabilisation du Mali. Je pense notamment aux missions de PSDC, de politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne, à la fois ECAP et IUTM, de formation des militaires maliens et des forces de sécurité, de la police et de la gendarmerie malienne, missions qui se sont déployées il y a quelques années pour appuyer justement cet effort de stabilisation. Et puis je pense évidemment à la MINUSMA, à l'opération de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, qui également a su apposer une bulle de sécurité sur le territoire malien, à la suite aussi de la mobilisation de l'appareil diplomatique français. Alors la France, à travers son ambassade ici à Bamako, maintient un dialogue de haut niveau et très diversifié avec l'État malien, avec le gouvernement du Mali, non seulement en tant que l'une des parties signataires à l'accord de paix issu du processus d'Alger, en multipliant les messages politiques sur la nécessité d'aller de l'avant dans la mise en œuvre de l'accord. Un dialogue également entretenu sur le plan du développement avec un certain nombre de projets conjoints cofinancés par l'État malien et par la France au profit du développement du Mali et singulièrement des régions du Nord. Et puis enfin un dialogue aussi de haut niveau sur les questions évidemment de sécurité et de défense avec un partenariat stratégique militaire extrêmement dense. Il faut accompagner les autorités maliennes et les parties signataires, quelquefois avec gentillesse, quelquefois avec pression pour que cet accord se mette en œuvre. Et ça, c'est l'objet aussi de notre dialogue politique. Mise en œuvre de tous ces volets, décentralisation, bien sûr, réintégration, désarmement, etc. Je pense que ce n'est un secret pour personne. C'est elle qui porte la plume au Conseil de sécurité pour les résolutions. Donc, par rapport à tout ça, si on a un avocat et un avocat bien engagé et pour la cause de notre pays sur la scène internationale et peut-être à des endroits où nous ne sommes pas,
C'est bien la France. Ce sont les contacts avec les autorités maliennes, ce sont également les contacts avec les mouvements qui ont signé l'accord, et essayer d'intervenir à chaque point de blocage, essayer de, lorsqu'il y a des difficultés, de les lever, essayer de discuter avec les uns et les autres pour que ça aille plus vite. La dimension développement, elle est évidente, hein. C'est sans développement, pas de sécurité, parce que si on ne donne pas des perspectives aux jeunes, si on ne crée pas de l'activité économique, si on ne répond pas aux besoins fondamentaux des populations, eh bien celles-ci peuvent tourner, c'est par la nature des choses, par force, tourner vers d'autres activités qui leur seraient proposées par des criminels. Et donc il faut répondre à leurs besoins les plus fondamentaux. Tout ceci est mis principalement en œuvre par l'Agence française de développement, qui fait partie de l'équipe France, au premier chef bien sûr, et qui dans l'activité s'intègre parfaitement dans les orientations politiques qui sont fixées par l'ambassade, par l'ambassadeur. Évidemment, il faut traiter le militaire, il faut chasser les terroristes du Mali, mais ça ne résoudra pas tout. Il faut apporter du développement, il faut de la il faut des actions politiques fortes. Sur le plan développement, on a bien évidemment, avec le chargé de mission de Barkhane qui est présent ici, des relations très étroites avec le responsable local, national, de l'agence de développement ici au Mali. Sur ce territoire immense, avec un peu plus entre 4000 et 4500 hommes, l'objectif est donc avant tout de lutter contre le terrorisme, mais aussi de faire en sorte que des actions de développement permettent de stabiliser les zones après les actions militaires, parce que les Barkhane est aujourd'hui persuadé que les actions militaires seules ne vont pas résoudre le problème de la bande sahélo-sahélienne. Cette démarche est vraiment importante parce qu'il est nécessaire que tous les acteurs qui interviennent au Mali, et en particulier les acteurs de l'armée, de la sécurité, du développement, de la politique, travaillent de concert, en parfaite cohérence, de façon à renforcer leur efficacité. Et en ce sens, la démarche 3D est vraiment fondamentale au Mali et plus généralement dans la bande saharo-sahélienne.